Ben oui. Hanté, c'est négatif, je dirais maison habitée. C'est plus large. France Bleu, je suis indubitablement service public. Berry, parce que je ne suis pas discriminante dans mes choix. Rationnel et réel, je ne peux pas faire de choix, parce que le rationnel est parfois irréel. Ressentir pour mieux savoir. Médium, si j'avais, parce que voyante, je n'y crois pas. Voyante, c'est celle qui lit l'avenir. Or, il est très difficile de lire l'avenir, car l'avenir est composé de plusieurs plans que l'on décide, et donc à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle peut se référer à quelque chose qu'on ne vivra pas, qui existe potentiellement, mais qu'on ne vivra pas. Les deux. On ne peut écrire des choses que l'on n'a pas vécues. L'investigation, c'est le premier pas, l'écriture, c'est la conclusion. Le jour, pour travailler, la nuit, pour vibrer. Ce qui est étrange est souvent normal dans mon domaine. Généreux. On ne peut pas vivre sans générosité. Il faut être populaire tout en ayant, et je pense que de plus en plus je vais me diriger vers une espèce de confidentialité. C'est curieux ce que je vous dis là. J'apparaîtrai de moins en moins, car je pense qu'il faut un peu de confidentialité pour pouvoir toucher le plus de monde. Doute toujours, avec un ressenti très fort que les choses sont ainsi. Le doute est le premier pas. Important, il faut toujours douter. Je pense que oui, de plus en plus. Oui, mais il faut faire attention comment on l'utilise, mais c'est très répandu chez les ados. Je pense, et sans faire rire la compagnie, que ce fut Napoléon. Ce fut un chevalier que j'ai rencontré dans un château du Périgord, qui était un serial killer, un ex-serial killer, qui était terrifiant. La situation la plus insolite, c'est quand un esprit m'est apparu une nuit en me demandant si j'avais du feu. J'ai appris que de l'autre côté, on pouvait également fumer. Enfin, croyait-on.